et bienvenue dans le GG Orangina Aventure épisode 6 et je suis en compagnie de Pnel. Salut tout le monde, oui c'est moi Pnel, donc on est toujours en survie avec GG613000 et en fait on manquait d'XP puis on avait envie de récupérer pas mal de genre chair putréfiée, os, ficelle, putain canon, excusez-moi. Et du coup, grâce à nos fans, on a réussi à faire un piège à mob, ils nous ont vachement aidé. Donc en fait ils nous ont dit, faites ça près excuse-moi, d'une caverne comme ça, là-bas elle est la caverne, je vais vous montrer les hauts. Ah j'arrive pas à monter l'échelle. Bon bref, je vous montrerai après. Le squelette en dessous basse, s'il vous plaît. Ensuite, là-bas il y a une caverne, il y a plein de monstres et les bonhommes de neige tirent dessus, ça les attire, ils tombent. Et puis ils sont piqués par les cactus. Donc je ne sais pas, j'arrive pas à monter. Ah, j'ai réussi, c'est bon. Voilà. Et on peut aller sur la rambarde grâce à un petit portillon. Je retourne à la maison, moi. Oui, oui, vas-y, fais ce que tu veux. Et de là-haut, écoutez, on va aller en appuyant sur. En s'accroupillant. Hop, on peut quand même les tuer. Oh, punaise. Je suis touchée. Je vais aller miner dans notre salle de minage, ok? Oh punaise, je me suis fait toucher, je suis tombée. Oh là, mais j'ai pas envie de plaisir, c'est à fait. Bah là, regardez, on a fait une petite fontaine, là. Sympatoche, un peu grosse, mais bon, elle est sympa quand même. Sympatoche, j'adore quand tu dis ça, c'est funny. Moi, j'adore quand tu dis c'est funny. Les amis, je suis entrée du premier coup dans une maison. Ah. Alors, vous allez pu voir, en fait, GG613000 a fait une mise à jour, donc son aventure normalement, je veux dire, normalement, devrait aller un peu plus vite, parce que... Hier, il allait encore plus vite que ça, mais il va un petit peu plus vite. La preuve, je suis entrée la première fois dans la maison, au bout d'une seule fois. Je suis désolée, j'ai pu faire que la première vidéo, parce qu'en fait, je dois tout compresser. Parce que sinon, ça fait 182 minutes à aller sur YouTube. Non, mais surtout qu'à chaque fois que mon ordi se en veille, ça plante, alors ça prend trop de temps. Je vais aller miner un peu dans notre salle de minage parce qu'on s'est fait une petite salle de minage. Ah oui, c'est vrai. Bah, attends, je viens avec toi. Parce qu'on... J'espère que je vais trouver du diamant. J'en ai pas encore trouvé un seul. Attends, j'ai un seau d'eau comme ça s'il y a de la lave. Sous la lave. Ah ouais. Par contre, on est en hard, je me mets juste en. Je me mets en facile ou en normal, non? Parce qu'en hard, c'était pour. Ouais, mais nous en normal, parce qu'on se met en hard pour notre piège en fait. Ouais, c'est pour ça en fait qu'on se met en hard. Attends-moi. Attends, je sais plus déjà où c'est notre salle de minage. T'as mis un panneau, non? Oui, j'ai mis un panneau. Voilà, on est en normal. Regarde, c'est là. C'est Où t'étais. Ouais, mais je regardais parce que j'étais pas sûre. Ah, par contre, je me suis pas fait de pioche. Attends, je remonte tout de suite, tu m'attends, s'il te plaît. Ok, je vais leur montrer notre salle de minage. Voilà. Je fais juste une petite pause le temps que je vais chercher une pioche. Donc, à tout de suite, les amis. Avec quelques couloirs, j'ai fait une petite pioche. Sympa. Enfin, je veux dire, avec quelques couloirs. Tu m'attends. Je vais juste me prendre une pioche, je m'en refais une. Par contre, j'aime pas parce que quand je suis en pause, ça bug vachement mon ordinateur. J'aime pas. Quand t'es prêt, je vais relancer la vidéo dans 3, 2, 1. Quand tout le monde, en fait, on a fait une salle de minage comme ça. Donc, je te suis, tu veux creuser où? Bah, je crois, non. Ça avait déjà commencé, mais je crois que t'avais pas terminé parce qu'on devait arrêter. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on devait arrêter la vidéo. On va passer par là parce que j'avais pas tout fini. Attends, tourne, c'était pas tout droit. Ah oui, non, mais je voulais regarder s'il y avait pas du charbon. Ah d'accord, on va bien tout droit, je te suis, on fait comme d'habitude. Je prends les minerais et tout. Ouais. Par contre, t'as une épée, j'espère, parce que. Enfin, je sais pas si on tombe sur des marques, sachant que. Non, je n'ai pas d'épée, mais tu en as une. Ouais, de toute façon. Ah voilà, c'est là où on s'était arrêté. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. J'avais oublié.
Piège pas vers le bas, piège tout droit, puis ça te fera mieux. Non, mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Hé, hey, tu m'as frappé. Pardon. Mais pourquoi tu te mets devant moi? Parce que j'essaie de récupérer du minerai, j'en ai pas, moi. Vas-y, saute, je vais essayer de mettre de la pierre sur toi, quand tu sautes. Voilà, et toi aussi, peut-être, je sais pas. Tu veux que je creuse, là, parce que tu prends un peu de temps, je te parle. Mais non, ça va, je... Mais tu prends pas ma pioche en fer enchantée, faut prendre une pioche en pierre, à ce moment-là, si tu veux creuser sur de la pierre. Oh, y a de la pierre moussue. Attends, des squelettes. Il y a un donjon. Il y a un donjon, bah attends, faut aller doucement. Fais gaffe, il doit avoir un mob spawner. Attends, j'y vais, parce que comme j'ai une épée, bah toi. Oh, ils sont combien? Fais gaffe. C'est des squelettes. Ils arrivent pas à me tirer dessus, ils sont nuls. Oh les nuls. Un champignon rouge, super. Un casque en diamant, un casque en bat, une rose et un champignon. Bah, je prends les bottes, d'accord, et je prends le casque en fer qui va spawner. Tiens, je te passe ça. Oh, j'ai plein de flèches sur moi. Tu l'as eu, le casque? Ouais, le casque en diamant, je l'ai eu. Moi, je mets les bottes comme ça et je prends le casque en fer qui va spawner. Comme ça, je suis toute. Y a que des squelettes à l'intérieur du mob spawner? Ouais. Bon bah... On fait un piège tout autour. Un piège, c'est-à-dire? Un piège à mob spawner. Ouais, pourquoi pas. Alors moi, j'ai une petite idée de comment on pourrait faire. Je le fais ou tu le fais? Bah vas-y, fais-toi, occupe-toi de tout. Oh, il y a un squelette qui a respawné. Moi je te vois, t'as une flèche dans le crâne, t'as une flèche dans le cou, t'as une flèche dans les jambes. Et t'as trois flèches dans le dos. Par contre, tu peux me passer un peu de pierre parce qu'il me faut de la pierre. De la pierre? Ok. Tiens, t'es prête? Ouais. Attends, pierre. Voilà. Hop. T'en veux combien? Je sais pas, ça suffit là. C'est bon. Ouais, bah... Classique. Par contre, je vais devoir utiliser l'eau, donc je vais devoir aller reprendre un seau d'eau avant de revenir. Ok, moi je reste ici pour surveiller le mob spawner au cas où. Ah, oh, c'est trop fort, on a trouvé un. Ah, mais attends, je me suis. Ouais, bon, tant pis, je vais faire ça comme ça. En fait, on fait ça comme ça, regarde, tu fais ça, hop. Je te conseille de sortir, hein, parce que. Oui, ce serait mieux peut-être. Non, si. Je m'en vais, hein. Ah ouais, vas-y, pas bête. Comme ça. Et par contre, en fait, faut pas qu'ils aillent vers le haut, donc tu sais ce que je vais faire? Non. Je vais faire mon seau, c'est pour ça que j'avais dit que le seau allait être usé. Je reviens, deux petites secondes. Je reviens. Donc voilà, donc ils seront forcément ici. Sauf que j'ai juste.
juste la boucher là comme ça. Hop, comme ceci. Ah bah il y a un squelette qui a... Dans deux secondes, je reviens encore. Des petits problèmes. Écoutez, à tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Récupérer leur stuff. Vas-y. En fait, il va venir tout seul avec l'eau, en fait. Ah bah vas-y, va chercher. Faut. Vas-y, occupe-toi de ça. Ouais, par contre, là, j'ai arrêté la vidéo. Ok. En fait, les squelettes, ils se posent quand même, même si t'es clair. Bonjour, je suis un squelette. Attention. Ah, vas-y, viens, vas-y, je prends mon piège là. Parce que je vais prendre mon piège. C'est bon? Là, je vais mettre mon casque. Ouais, vas-y, mets-le quand même, parce que c'est pas mal un casque comme ça, là. Hop. Et comme ça, tu vois, on peut leur tirer dessus. Voilà. Hop, comme ça, tu vois. Oui, mais là, on la reçoit pas, l'eau. Non, non, mais leur stuff, il va quand même venir. T'es sûr? Oui. Au pire, je referme tout. Attends, je fais ça. Moi j'avais une autre idée pour un piège qui serait peut-être mieux. Moi je fais toujours ça, ça marche toujours, mais je sais pas, après peut-être que... Bah vas-y, on va essayer avec ton piège, enlève toute la lumière et rebouche. Attends, vas-y pousse-toi parce que là je peux pas faire, sinon je te prends. Pardon. Vas-y. Comme ça tu leur prends dessus, par contre faut que tu sais, tu puisses te mettre comme ça quand même, tu vois, pour pas recevoir leur flèche. Ils tirent quand même les squelettes. Je vous mets la vidéo en 4 secondes. Hein. T'es prêt? 3, 2, 1. Salut tout le monde, et oui, c'est pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, quand on a trouvé un mob spawner, voilà, hop, deux squelettes. Donc, on va retirer les torches pour essayer. C'est mon piège, donc on va voir s'il marche. Donc, je vais enlever les torches. Tu les prendras avant les torches. Et tu vois, ils arrivent tout de suite et là, tu les frappes. Ah ouais, pas bête. Tu vois, j'ai reçu une flèche. Ensuite, tu rallumes et tu ramasses leur stuff, tu vois. T'as reçu l'XP? Ouais. Et bah du coup, j'ai 3. Tu veux un arc ou pas? Parce que là, j'en ai plein, je peux le réparer pour en faire un. J'en avais 3, j'en ai fait un qui est à moitié plein. Bah, si tu veux. Ensuite, tu rallumes comme ça, puis tu ramasses leur stuff si on a un cas. Mais reviens parce que je referme là et je répands parce que c'est comme ça qu'on gagne l'XP. Enfin, moi, j'aime bien comme ça. Ok, bon, bah ça va, moi ça me marche. Que ça te va comme ça? Ouais, de l'XP. De l'XP à volonté. On continue à miner. Je vais mettre un panneau comme quoi là il y a un bon jeu, tu vois. Je vais mettre la carte d'XP, tu vois. C'est comme ça, c'est cool. Et je sais même pas comment faire des potions d'XP. Bon, les amis, j'ai cherché un tableau, c'est pas très intéressant.
je vous dis bah, à tout de suite. Je mets sur pause. Je suis sur pause là. Ok. Attends, moi je vais aller chercher une épée en fer, comme ça je vais pouvoir. Attends, t'en veux une? J'en ai une sur moi là. J'en ai deux même. Ah bah vas-y, donne-les-moi s'il te plaît. Attends, parce que mon envie, quand il rame vachement là, ça me fait trop bizarre. Je vais aller tuer du mob. Attends, du spoiler. Par contre, fais sûr que tu vas casser le mode spoiler, je te dis. Si tu le fais là, t'es mal. Tu auras fait rare. Mais... Que j'ai vraiment pas faire un trou. Merci. Avec moi. Attends, on bail. Quoi? Par contre, après, faut tout de suite après qu'on se mette. Qu'on se mette en piscine, là, parce que. Mais t'éclaires pas, c'est pour ça que vous avez un zoom bail. Quand tu fais des mots. Ok, là, c'est bon. Non mais ça va pas ton piège hein. Mais si. Non parce que après ils peuvent quand même t'attaquer. Bah alors attends, bah ah oui non si oublie, je me suis trompée en fait. Attends, j'arrive 30 secondes. Parce que là j'ai plus qu'un cœur en fait. Bah mais même temps. Ah oui, oh, t'es couvert de flèches. Ah bon, je suis couvert de flèches? Ah oui peut-être. Merci. Un petit peu. Je me suis. Dès qu'il y en a trop, tu rallumes le. Tu rééteins le mob spawner. J'ai faim! Non, mais faut que tu mettes une tâche à chaque fois que le mob spawner est là. Bah, moi je les ai eu en 3 coups, je sais pas, mais. Ouais, laisse-moi juste faire mon piège parce que là ton piège. Mais non, il est bien, non, mais attends, c'est juste que je me suis bourré à mon endroit, c'est tout. Bah, j'espère parce que là ton piège il est pas super hein, parce que là toutes les flèches on se les prend. Mais non, mais c'est juste que t'arrives pas, c'est ça. J'adore dire ça, désolé. Et par contre, du coup, la torche qu'elle a, on enlève. Hop, mais faut, de toute façon, faut toujours. Mais par contre. Ah, il y en a un qui a une flèche. Qui a un arc enchanté, vas-y. Regarde, tu fais ça comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, on est trop près du mob spawner. C'est pour ça que ça marche pas, en fait. Mais au pire, j'avais une idée, c'était d'entourer tout. Je t'explique mon idée. Tu entoures tout le mob spawner avec du verre. Donc tu enfermes le mob spawner dans une cabane en verre. Tu laisses qu'un seul trou pour attaquer les squelettes. Et Ah, mais oui! En plus, je fais toujours ça habituellement. En fait, j'avais envie d'essayer ça, tu sais pourquoi? Non? Parce que moi, j'avais vu ça sur un tuto et tout, mais en fait, ça marche pas trop. Et du coup, j'avais déjà essayé et tout, ça marchait bien, mais là, je sais pas, ça marche pas. Je vais aller prendre un peu de bouffe dans nos coffres là parce que j'ai vraiment la dalle et j'ai plus qu'un cœur de life. Surtout que c'est en plus ça rapporte bien et tout les. Ah oh, en plus je faisais toujours ça. Bon c'est ce que je vais faire. Mais pourquoi du verre en fait on peut faire ça avec n'importe quoi mais. Pourquoi pas? Bon parce qu'après tu peux les voir les squelettes avec du verre. Voilà, c'est pas trop tôt. Ah tiens, j'avais oublié qu'on avait un canapé ici. Le coffre bouffe, je suppose que c'est là où il y a la pomme. Non. Ah, mon perso saute tout seul, ça c'est pas marrant. C'est magique. Alors, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Eh ben, je vais peut-être me prendre un petit peu de pain. C'est bon le pain. J'aime beaucoup. Attends, je vais me prendre un peu de pain. Ce sera bien. Un petit peu de pain. Ça sera pas suffisant. Oui, je vais me reprendre un peu parce que là en fait j'ai. Tiens, je vais me prendre un petit peu de. Ah non, bah je vais encore me prendre du pain. Mais par contre, en fait, on n'a pas assez de place pour faire ton.
trop près de notre entrée, en fait. On aurait dû faire l'entrée à l'heure. Miam, miam. Voilà. Et là, normalement, ma life, elle est censée remonter. Ouais, ça va. Non, ça va, elle remonte. Attends, est-ce que j'ai encore toutes mes flèches sur moi là? Ah oui, quand même un peu. Faudrait, quand on aura beaucoup d'XP, qu'on s'enchante un arc et qu'on enchante avec Infinity, parce que comme ça, t'as plus besoin de flèches. Je suis un spécialiste des enchantements, moi. Ouais, bah pas moi, les enchantements et moi, ça fait 4. Bah moi, c'est, oui. Moi, c'est l'alchimie, moi, ça fait au moins 25, environ. L'alchimie? Ouais. C'est quoi, ça? C'est avec, tu sais, les alambics. Ah, c'est ça, encore moi. Ah, comment j'ai sauté? C'est bon, t'as aménagé notre petit... Ouais, t'inquiète. Hop. Et faudrait que tu mettes un petit courant d'eau, comme ça on ramasse leur stuff. Oula. Ah ouais, sinon j'ai une méga idée. Tu mets tout autour du map spawner de l'eau, tu mets la cabane... Oh, c'est trop compliqué là, je peux pas là. Mais si, c'est super simple. Non mais c'est bon, je fais mon propre truc ça. Non mais je te jure, c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue de ma life. Laisse-moi faire. Mais regarde ce que j'ai fait, moi. Bon, bah attends, j'arrive, mais moi, mon idée, elle est super bien. Ils peuvent même pas nous attaquer. Bah, moi non plus. Bon, attends, je vais voir. Tant qu'ils peuvent pas nous attaquer, moi, je suis content. Oh, je marche au plafond. Ah non, c'est juste un... En fait, c'est un peu pourrave, ton idée que tu m'as dit, là. Parce qu'en fait, on peut pas tirer nous non plus. C'est trop nul. Mais non, mais tu vas voir, tu sais... En gros, c'est un peu nul, ton idée, là, avec le verre, en fait. Avant, non. Je faisais ça, mais je sais pas, là, j'ai pas réussi. Mon idée est géniale, c'est simplement que tu l'as déformée. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, d'accord. Je le teste. Oh. Ok, bon, déjà, ils viennent pas. Ils sont gentils avec moi. Peut-être parce que j'ai un peu trop torché le terrain. Bah attends, je vais de l'autre côté. Mais c'était pas ça mon idée géniale. Non, mais l'idée d'avant, je parlais. Bon. Bon, en espérant que ça marche, ton idée géniale. Ce que j'aime bien, c'est toi qui m'as donné cette idée. La mienne, elle marchait bien à la base. Et oui, ça marche! Mais en dehors de notre piège, évidemment. Mais bah, remets de la lumière partout et détruis. Va battre le squelette qui est là. Donne-moi tout. Donne-moi du verre, un seau d'eau et donne-moi du verre. Tu me donnes du verre, à peu près 8 seaux d'eau. Et je te fais le meilleur piège de toute ta vie que tu n'as jamais vu. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi que tu veux faire? Je comprends pas, explique-moi d'abord. Je veux faire une cabane en verre tout autour du mob spawner pour qu'il puisse plus s'échapper, les squelettes. Je mets sous le sol de l'eau. En fait, après, je détruis, mais juste le premier bloc en partant du dessous. Ouais. Tu mets de l'eau et comme ça, tu mets de l'eau à un courant qui va vers toi. Et comme ça, en fait, ils peuvent pas t'attaquer. Toi, tu peux leur attaquer les pieds et tu reçois le stuff. Bah, en gros, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, quoi. Mais non, parce que toi, tu pouvais nous attaquer. Mais oui, mais j'avais juste enlevé le cube du bas, t'aurais dû me dire, j'aurais pas fait tout ça, là. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, tant pis, je refais ce que j'avais fait tout à l'heure, au pire, ça arrive mieux. Parce que j'ai plein de pierres, maintenant. Bah, vas-y, va miner, toi, pour l'instant. Ok, je vais miner. Moi, j'aimerais bien avoir un petit XP, moi, parce que j'en ai pas la dictée. Bah, je sais pas, vas-y, attends, pousse-toi. Oui. Attends, je ramasse la pierre moussue. Ouais, mais attends, on perd un peu ça.
N'empêche, mon idée, elle était bien. Bah, en gros, c'était la même du début, quoi. Sauf que j'avais mal placé les blocs, mais j'arrivais pas à les placer, c'est pour ça. Oui, mais après, on pourra pas récupérer leur stuff. Mais si, si je mets de l'eau. C'est normal que j'ai mis de l'eau, hein. J'ai récupéré plein de stuff, moi, déjà. Ah oui, bon, bah, mets de l'eau. Moi, je vais arrêter la vidéo dans 5 minutes, hein. Ça sera pas un épisode très long aujourd'hui. Ah bah non, parce que moi, attends, parce que là, la deuxième vidéo, elle fait qu'une minute, alors... Elle fait qu'une minute. La vidéo toute nulle, une minute de vidéo. 30 secondes, oui, quoi. Voilà, re tout le monde. Mais attends, ce que je refais quelques minutes. C'est un peu complexe, ouais. On en fait une autre. Attends, deux petites secondes, c'est une petite discussion. On en fera une autre ou pas, du coup, de vidéo aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon, bah, on verra ça en dehors de l'épisode. À l'attaque du château. Oui, c'est vrai. Je croyais aussi, mais bon, j'ai envie d'un peu d'XP. Donc. Bah, attends que j'ai fini le piège. Bah, attends que j'ai fini le piège, s'il te plaît. Bah, pousse-toi. Pardon. C'est pas pousse-toi. Je suis de retour. C'est cool. Vite, les monstres vont apparaître, vite! Oh. Ah bon? Je ferais mieux de prendre mon épée alors. Mais non, parce que j'ai pas envie d'attendre. Ah, je qui plaque comme une affiche au mur. Oh, arrête avec cette chanson. Tout à l'heure, t'es en train de la chanter, la nuit, ça m'énerve. Ça y est, mon piège est terminé. Attends, je vais mettre la vidéo parce que... Voilà, oula, non, ta-da! Je remets la vidéo dans quelques minutes. Ok, je te plaque comme une affiche au mur. J'ai laissé ma pierre, donc voilà, donc on va essayer tout de suite. J'ai un peu, bah quand même aider, parce que... Donc voilà, hop, on va le tester, on prend nos épées. Évidemment, ça spawn tard, hein. Si, là, il y en a un. Oh, mais pousse-toi, celui-là, c'est mon squelette. Et puis quoi encore? C'est moi qui ai commencé à frapper d'abord. Hop, j'ai eu ses XP, c'est bon. Ça marche. Oh, le lola. Oh, le lola. Et pourquoi moi, ils viennent pas? Mais enlève cette torche. Ah oui, non, c'est pas... Voilà, c'est bon, j'ai enlevé cette torche. Voilà, et maintenant, à moi de récolter les XP. Déjà, c'est moi qui frappe, alors faudrait que tu me frappes, alors... Mais toi, t'as eu la meilleure position! Quoi? Mais non, j'arrête pas de changer, il faut changer pour l'avoir. Là, je suis désolée sur ton côté. Là, t'es parti, là. Voilà, c'est bon! Je mets une torche parce que j'ai vu qu'il nous avait mis un petit stock. Voilà, c'est bon, je remets une pierre. Non, c'est pas mon pute, tu l'as mise. Ah! Tu m'as rebouché mon côté! Oh, moi aussi j'ai rebouché le mur. En fait, faudrait que je mette un peu plus d'eau, en fait. Je crois que c'est ce que je dois faire. Ouais, à mon avis, tu devrais mettre un petit peu plus d'eau. En fait, j'ai mis trop loin l'eau, du coup. Au moins, les squelettes, ils viennent directement vers nous, donc c'est pratique. C'est grâce à l'eau, en fait. Par contre, s'ils viennent sur le mob spawner, on est mal, parce que...
Donc je vais aller chercher un seau d'eau, d'accord? Ok, vas-y. Non, enlève la lune, enlève la... En... Attends, bah, j'enlève la torche, parce que comme ça, c'est moi qui vais les tuer, là. Je vais prendre un peu d'XP, parce que j'aimerais bien m'enchanter, genre, une épée. Ou une pioche. Ouais, mais tu combats pas trop souvent, tu vois, donc là, tu combats plus souvent pour avoir une épée enchantée, tu vois. Enfin, en gros, on combat plus souvent, quoi. En gros, on combat plus souvent, c'est ça. Tu me plaques comme une affiche. Ah, à cause de toi, tu es dans la tête. Non, c'est planté. Ah, c'est. C'est planté. Oui, j'ai tué mon premier squelette. Bon, j'ai coupé en 30 secondes, parce que je redémarre tout, parce que tout bug. Désolé, au revoir les amis, si vous m'entendez encore. Ouais, je tue le squelette.